Bien, bonjour à tous et à toutes les joueurs et les joueuses, c'est Peyuko, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du repère de l'œil noir. Voyez comme je peux facilement corrompre jusqu'à ce dragon rouge géant. Chaque joueur pioche 3 cartes, vous gagnez un cristal de mana. Je vais me préparer un deck chaman. On se retrouve tout de suite. Et donc me revoilà, c'est parti, on va pouvoir se le faire. Comme je peux facilement corrompre jusqu'à ce dragon rouge. Bon, ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il redit la même chose, c'est juste que le jeu a bugué, qu'il a fermé et que j'ai dû le rouvrir, c'est tout. Alors, rien de bien grave. Ou juste refermé et rouvert, normal. Voilà. Et donc on peut commencer à s'attaquer à Valestrazas. Je crois que Valestrazas répond si on sort Alexstrasza de face à lui, enfin qu'il a une phrase programmée pour. Il faudrait que je regarde. Il faudrait que j'essaye. Ouais, la Strasse, pardon. Quoi ? Non, je me suis trompé. La lumière nous apporte. Non, je me suis trompé. Lol. Non, pas la lumière, mec. Non, pas la lumière. Vas-y. Va te faire voir. Il me pioche 3 cartes. Oh, quoi que je pourrais avec un boost. Oh, j'aurais dû essayer. J'aurais au moins dû essayer. Allez, on essaye, de toute façon on n'est pas sûr d'y arriver du premier coup alors. Non, vas-y, je me suis pas fait un deck chaman pour rien. C'est si j'arrive pas avec le deck chaman qu'on essaiera avec le deck prêtre. Je me suis pas fait un deck... Oh, faut pas déconner non plus. On me fait des decks et puis après... Non, pas de coups. J'ai jamais compris vraiment pourquoi. Avant que je perde tout contrôle. Alors, Kel'Thuzan, faut que tu viennes à la fin. Ça, faut que tu viennes après que je pousse, vas-y. Relance-moi, redonne-moi une main. C'est pas tip top. Est-ce que je pourrais choper? Pas ça. La corruption de Nefarian s'est emparée de moi. Excusez-moi. Vous auriez dû fuir tant qu'il en était encore temps, mortel. La fureur de Roche Noire coule dans mes veines. Deck prêtre. Druide. Deck druide. Deck druide. Ma main est déjà pleine. Deck druide. Deck druide aggro. Non mais une fois que tu y es, en fait tu te rends compte que peu importe ce que t'as prévu, ça marche pas. Donc je go faire un deck druide aggro et puis on se retrouve. Ça risque d'être plus dur que prévu. Bon, on va essayer un deck druide. Sinon on va partir que sur des cartes de 0. Hein, voilà, qui coûte 0, qu'on va pouvoir poser beaucoup. Parce que sinon on est mal barré. Malfurion contre Valestrazas. Avant que je ne perde tout contrôle, je dois protéger la nature. Comment ça se fait que j'ai pas mes cartes, les bonnes cartes? Ouais, bon, moi je peux poser ça, quoi. Mais une carte de niveau 6, qu'est-ce qu'elle fout là? Attends, je viens de faire le deck, j'ai pas le souvenir d'avoir mis celle-là. La corruption de Nefarian s'est emparée de moi. La fureur de Roche Noire coule dans mes veines. Vous auriez dû fuir tant qu'il en était encore temps, mortel. Ok, bon, va falloir vraiment refaire le deck. On n'est pas bon là, on n'est pas bon du tout.
Ma main est déjà pleine. Merci, Malfurion. J'ai déjà perdu. Je vous concède la... Bon, très bien. Deck voleur ou pas? Comment ça se passe? Dis-moi, mon ami, j'ai échoué. Pourquoi il me dit ça, lui? Pardonnez-moi, mon ami, j'ai échoué. Ah, il dit ça au deck druide? D'accord. Alors, c'est clair et net, il faut le jouer avec le deck druide. Mais il va falloir jouer un peu mieux avec le deck druide. Non, je n'avais pas stoppé. J'avais... Donc, 13. Pardonne-moi, mon ami, c'est ce qu'on va voir. Si je suis ton ami, alors je vais te sauver. Par contre, non, il faut trop que je mette Alistraza, je suis bête. Il faut que je mette Alistraza. Malfurion contre Vaelastraza. Partez avant que je perde tout contrôle. Je dois protéger la nature. Si je pouvais juste choper mes cartes de zéro. Voilà, histoire de... Trop tard. La corruption de Nefarian s'est emparée de moi. La fureur de Roche Noire coule dans mes veines. Pas bête. Piocher, on en reparlera. Tiens, vu qu'il va mourir. Donnez-vous base, Gavin. C'est l'heure de la revanche. Pour l'instant ça se gère, J'ai rempli mon terrain là, je peux plus poser de monstre. Mais j'espère que j'aurai suffisamment de cartes. Bon bah c'est plus ou moins bien ça. Ce collègue va m'avoir au deck là, c'est pas cool du tout ça. C'est parfait, pour l'instant on gère le terrain. Alors son truc là... Son machin...
l'odeur du sang, l'odeur du sang. Alors, 2, ça sera peut-être pas suffisant. Non. C'est fort mal de votre part, monsieur. Le mec a nettoyé mon terrain. Ah merde, c'est un allié. Attends, faut que ça attende. Pas le finir là. Ben si, je vais pouvoir peut-être le finir. Pas tout de suite, hein, j'entends, mais. Il ne pourra pas tout détruire. What? Oh bien. Ah moins bien. Beaucoup moins bien. Mais bon, d'un côté, il va prendre cher. Donc c'est faisable. Mais il est con, il se suicide. Bah j'ai gagné. Bah ça alors, si je m'y attendais. Bon bah voilà. Je sais pas, allez, faisons ça. Je m'en fous, j'ai gagné. Vous avez tué un des gentils. Vous n'êtes pas triste? Non, non, ça va. Je suis assez étonné de la tournure qu'ont pris les événements, mais... Et il me dit rien. Je ne sais pas. Bon bah je ne sais pas. Je vais refaire une vidéo sur Valestrazas pour voir s'il répond pas à l'appel de Isera ou des trucs comme ça aux autres dragons. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée. On va se faire le Chromagus après. Donc je vous attends tous pour le prochain épisode.